Ahmad, Yusuf Ahmad, Kurt Ahmad. Sur le cardinal des obsèques, oui, participer comme officiel. Attendez, alors monsieur le ministre, vous êtes à l'aéroport pour accueillir la dépouille du cardinal émérite Laurent Mosengo. Hier vous étiez dans l'opposition, il a longtemps été critiqué par ses prises de position, notamment en rapport avec le pouvoir en place, la marche de la nation. Qu'est-ce que vous gardez de lui comme héritage pour continuer au niveau de l'alternance aujourd'hui qu'a connu la RDC après les élections? D'abord, il faut savoir que j'ai perdu non seulement mon patriarche, mais un père, mon véritable père spirituel, que j'ai eu à approcher, qui a eu à me procurer beaucoup de choses. Au niveau national, c'est toute une école remarquable par son intelligence, actif et aussi le sens des responsabilités. Il nous a appris à internaliser la doctrine sociale de l'Église catholique pour que nous soyons
le sel de la terre et la lumière du monde. Aujourd'hui, nous sommes très implorés. Nous pensons qu'avec cette prière, il va accéder à la maison du Père. Merci beaucoup. Oui. C'est donc là, Sheriva Okende, ministre des Transports de la RDC.
Thank you.
pied de l'avion, il n'y a pas rien. J'ai vu la délégation du Congo Brazzaville, Sassou Nguesso, Claudia Sassou Nguesso, entre autres, qui est venue de Brazzaville, avec une forte délégation du Congo Brazzaville. Ici, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions de la part de ceux qui sont au tarmac, les clergés, il y a des prêtres, il y a des religieuses. Il y a les évêques, les membres de famille. Alors ça,
Maman Maria. Oh, 082 82 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
directeur de cabinet du chef de l'État, le Premier ministre, votre Excellence. Donc voilà. Ça sonne, pas sonné, oui. Oui, ça sonne. Non seulement que je suis journaliste, mais aussi... Oh,
Ok. Avancez, avancez. ただなの? Les choses, c'est tout ça. Bon, à tout à l'heure, on va couper le direct. Chercher comment partir. Puis voilà. Voilà. Direction cathédrale.